Bonjour tout le monde. Vous êtes très nombreux à me demander régulièrement quelles compétences je conseille à utiliser avec telle ou telle arme. Et en fait, c'est pas une question pour laquelle j'ai vraiment de réponse, et vu que je maîtrise pas toutes les armes, c'est assez difficile pour moi de vous répondre. Du coup, j'ai décidé que ce serait vous qui répondrez vous-même à cette question. Pour ce faire, j'ai créé un site internet qui s'appelle splatoonability.inc, sur lequel chacun peut indiquer quelles sont les compétences qu'il utilise en fonction de l'arme qu'il utilise et du mode de jeu. Et du coup, le site regroupe ces données et permet de faire un peu des statistiques et d'indiquer s'il y a une tendance générale avec tout ça. En effet, chacun a son avis sur la question et il n'y a pas vraiment de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais si on suit l'avis de la communauté, on arrivera sûrement à obtenir des informations beaucoup plus générales et peut-être intéressantes. Ce site, je l'ai créé pour deux buts principaux. Le premier, c'est de permettre à tous les joueurs de Splatoon qui veulent découvrir une nouvelle arme d'avoir une indication sur quelles sont les compétences qu'ils peuvent utiliser et quelles sont les compétences que la communauté utilise. Le deuxième intérêt de ce site est également d'avoir une information sur ce que vos amis utilisent et sur les compétences qu'ils conseillent en fonction de leur arme. Je vous invite à aller le consulter, je vous mets le lien dans la description, et il y a une vidéo sur la première page qui explique comment il fonctionne, donc n'hésitez pas à le tester et à me dire ce que vous en pensez, car aujourd'hui, les conseils, c'est pas moi qui les donne, mais c'est vous. Si vous voulez indiquer à la communauté quelles sont les compétences que vous utilisez en fonction de l'arme, je vous invite à y faire un tour, et de la même manière, si vous voulez découvrir ce que d'autres ont choisi, c'est aussi une très bonne méthode. Bref, j'espère que ce site vous plaira et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !